Mon cher Madou, nous avons tous les deux 28 ans aujourd'hui. Tout ce temps vécu en France, nous avons beaucoup rêvé de faire un tour au pays d'origine. Dieu faisant bien la chose, moi j'ai pu concrétiser ce rêve. Je suis bien arrivé ici au Mali. J'y séjourne depuis une semaine déjà. J'ai pris résidence dans la famille de mon oncle paternel. Chaleureux fut mon accueil. Mon oncle a même organisé une petite fête à mon honneur, à laquelle toute la famille a participé en guise de souhait de bienvenue. Ce bout de temps passé ici, en famille, m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur la manière dont les gens vivent ici au pays. Je me rappelle, 2 jours après mon arrivée, une situation intrigante m'est arrivée. Hé, hey, toi là, viens ici. Oui, tonton. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu te fiches de saluer les gens au réveil? Tonton, excusez, mais je ne savais pas qu'ici on doit saluer les gens tous les matins. Attention, Togoma. Sache qu'ici, ça se passe comme ça. Entendu, tonton. Kayaoto. Quand tu auras la chance de venir au pays et qu'on te présente une vieille comme étant ta femme, à te connaître, je sais que tu penseras sans doute à leur dire qu'elle est trop âgée pour toi ou leur parler de ta fiancée Jacqueline. Mais il n'y a pas lieu, car il s'agit là du cousinage à plaisanterie. Bonjour. Bonjour. Tu es prêt pour la promenade en ville? Oui. Ok, on y va. Hé, hey, chérie. Oui. On a promenade une nogolène du mai. N'gana n'a n'a de kama. Et t'as de connaître à Kabaramso de? Ni ma wotie la fouille. C'est non, c'est non. Ni ma wotie la fouille. Hé. Tu m'as dit que tu es joué, ni même qu'elle la sa. Oui, oui. Hé, n'est-ce que tu es joué de bolo? N'a de, moi de aller à Kabaramso de. Aïe, n'a pas. Cela fait que tu peux appeler la femme de ton grand-père chéri et vice-versa. J'ai constaté que cela rend la vie très agréable ici. Après avoir passé de moments inoubliables en famille, je me suis beaucoup promené dans la capitale Bamako, accompagné de ma cousine Kadi. Ici, il y a beaucoup de monuments et de lieux emblématiques, et chacun pris individuellement a son histoire. Au quartier Kalamangoura, j'ai visité un monument représenté par un buffle appelé Place de Sogolo. Ma cousine m'expliqua alors que cette sculpture porte le nom de la mère de Sunyata Keita, fondateur de l'Empire Mandé et également auteur de la charte de Kulukanfuka. Dans l'épopée Mandé, Do Kamisa, princesse de Do, s'était transformée en buffle, terrorisant ainsi les populations. Son frère cadet, le roi Sankara Kone, proposa au chasseur l'ayant finalement abattu de choisir parmi ses nombreuses filles. Ils ramenèrent Sogolon Kone, la plus laide, au souverain du Mandé qui en fit son épouse. Au centre-ville, j'ai visité un autre monument, matérialisé cette fois par un hippopotame. Je te rappelle que le mot hippopotame signifie Mali dans notre langue. L'hippopotame est également au centre d'une des plus belles légendes mandingues, celle de Mali Sadio, où l'animal symbolise une force tranquille et bienveillante, ainsi que la fidélité dans l'amour. À Dikoroni Para, un pont sur une rivière appelée Woyowayanko. C'est à cet endroit qu'a eu lieu la bataille dite bataille de Woyowayanko, le 2 avril 1882. Cette bataille opposa les troupes coloniales françaises à l'armée de l'Almami Samori Touré, dernier grand souverain de notre pays avant la colonisation.
Et malgré la supériorité de l'armement des troupes françaises, celles-ci sont défaites par les Sofas de l'Almami Samori Touré. Après s'être imprégné du temps des empires, pour faire un bond en avant, afin de découvrir comment sommes-nous passés du Soudan français à la République du Mali, elle m'amena au mémorial Modibo Keïta. Portant le nom du premier président de la République du Mali, ce complexe lui est dédié en guise d'hommage. Il comporte même une salle d'exposition photo sur l'homme. C'est la salle d'exposition du mémorial fait Modibo Keïta. L'inauguration de l'usine de textile de Sébou. Le président Modibo Keïta inaugure la radio du Soudan. Et là, c'est l'inauguration de Digi Semé, une boutique qui était au grand marché. Ça n'existe plus maintenant. Non, ça n'existe plus. C'est l'inauguration de l'école normale supérieure appelée l'UNCIP. Et là, c'est l'inauguration de l'école Prosper Camara. Il est avec l'évêque Monseigneur Luc Sankari. À quelques mètres du mémorial, j'ai pu visiter le monument de l'indépendance, symbole de notre indépendance. Après deux jours de visite sans repos, ma soif n'était toujours pas assoupie. Ma cousine décida donc alors de m'amener voir le gardien des objets historiques, le Musée national du Mali. Il présente des expositions permanentes et temporaires d'archéologie et d'ethnographie, ainsi que d'art contemporain. Il comporte des œuvres d'artistes de différents États africains et internationaux. On peut également y voir régulièrement des pièces de la Biennale de Bamako pour la photographie, ainsi que d'autres expositions temporaires d'art contemporain. C'est les masques d'Ogon que j'ai voulu voir. J'en avais une forte curiosité. Sache qu'il y en a de toutes sortes et de différentes tailles. Fan de Bazin qu'elle est,
Ma cousine voulut coûte que j'aille voir les tissus bazin, parfumés de wuchulan, d'après elle. On a également fait un tour dans la salle d'exposition des tissus bovolan pour savourer leur splendeur. Après notre étape du musée, le soleil était au zénith. On y profita donc alors pour faire un tour au parc botanique, se situant juste à côté du musée. À mon avis, c'est la touche de modernité. Un endroit verdoyant, calme et paisible, idéal pour prendre de l'air ou faire du jogging le petit soir comme tu l'aimes. On s'y est désaltéré avec des verres de jus. Et comme j'avais ma tablette, j'ai profité du Wi-Fi pour explorer la charte de Kolokanfuga, première constitution connue en Afrique. Je vais devoir rester encore un bout de temps ici, car plus qu'une guide, il se pourrait que je rencontre mon âme sœur, qui sait. Mon vœu le plus cher est que tu puisses venir faire un tour au Mali, pour savourer ce subliminal pays comme moi je le fais actuellement. Très amicalement, Amadou Keïta. À très bientôt.